gote no mo mo kida pe. Gotan gote on gote ne gitongo na bibe mo. Matati songo ite no mo mo kida pe. Gotan gote on gote ne gitongo na. Even if I know you can reach me.
Mbema Tambete tena telema année 2021 avec tous nos voeux de bonheur, de longévité, de prospérité et de fécondité. En ce qui concerne bien sûr cette année 2021, dans son premier numéro, One Acoustic reçoit pour vous l'une des battantes, des gagnantes, des étoiles filantes de la musique congolaise. J'ai cité la seule, l'unique, elle n'est inégalable, Céline Banza. Elle est d'abord prix découverte RFI 2019 et n'oubliez pas que Céline Banza est en train bien sûr a déjà signé avec le label Bomae Music et elle est sur notre plateau. Bienvenue à vous Céline Banza dans ce numéro le tout premier de 2021 de One Acoustic. Merci beaucoup, merci, bonne année. Bonne année à vous. Alors Céline, la première question qui me brûle les lèvres par rapport bien sûr à ce talent pur, ce diamant que vous représentez en termes merci. Bien sûr artistiques, musicales, c'est celle de savoir... Parlez-nous un peu de votre vie familiale, de votre filiation, de comment est-ce que, de cette ambiance d'abord de famille, vous êtes quantième dans votre famille, parlez-moi un peu de votre famille d'abord.
Je suis née dans une famille de 3 enfants. J'ai un grand frère et une petite sœur. Je suis au milieu. Ok. Et voilà. Alors, votre flirt avec la musique, le premier flirt avec la musique, avec cet art qu'est la musique, parlez-nous un peu de ça. La musique et moi, bah, comme tout musicien déjà, c'est depuis l'enfance, hein, depuis tout petit, moi j'aimais beaucoup chanter à l'école. Mm-hmm. Ça a vraiment commencé à l'école. Et puis la chorale de l'église, dans la paroisse là. C'était quelle paroisse? Paroisse Bienheureuse à Noirite, à Lupen. Mm-hmm. Voilà. Et après, je chantais comme ça à la paroisse, à l'église. Et puis nous sommes allés à Kisangani, en province, après la mort de mon père. Donc là-bas, nous avons fait un concert avec l'Alliance française dans la Halle de l'Étoile, l'Institut français de Kisangani. Je connais trop bien. Ouais. Avec les studios Kabako. Hein. Mm-hmm. Et j'ai accompagné ces artistes aujourd'hui qui sont devenus des grands chorégraphes et rappeurs, tout ça là, Kisangani. Vous les avez accompagnés en tant que choristes? En tant que choristes, oui. Et... je rappais à l'époque avec eux. Pardon? Pardon, oui, Céline. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'était avec Shoggy, Dorine, Franck Moka, Gino et tout. Donc j'ai fait leur première partie du concert. Mm-hmm. Et la réaction du public, c'était énorme. C'était waouh. Et c'est où je m'étais dit, c'est la musique ou rien. C'est la musique ou rien. Je dois revenir à Kinshasa, étudier la musique. Donc je suis revenue pour étudier à l'INA. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, d'accord. C'est comme ça que vous avez flirté avec, bien sûr, ce monde musical. Ouais. Oh, mais d'accord. Alors là... Vous avez un peu survolé, rapidement. C'est pas un problème. Rapidement. C'est bon, même c'est bien. Mais parlez-nous un peu de ce pont entre la chorale à l'église et après le rap. Bien sûr, papa est décédé, mais la chorale à l'église, c'est tout à fait normal. Les parents vont comprendre. C'est bon, elle va prier et puis elle fait partie, bien sûr, d'un des groupes. Bien sûr. Mais de cette musique ecclésiastique à cette musique mondaine qui n'a rien à voir avec l'église, comment est-ce que cela s'est passé avec d'abord vos parents ? Et avec la famille. Ouais, c'est vrai que mon père, moi je dédie ma musique à mon père. Hein, vraiment, magnifique. Il était le seul à me soutenir dans mon choix quand il me voyait toute petite là en train de chanter. Pour lui, c'était sa joie quoi. Il disait, moi je vais être moi-même ton producteur. Waouh. Plus tard, je vais t'emmener chez Kofi. Tu as chanté, il adorait. Hey ok. Mais ouais, on se réveillait avec la musique de Kofi, donc il disait, ouais, tu dois chanter. Et il m'avait offert ma première guitare. Toute petite guitare que je garde toujours. Donc c'était ma seule motivation, mon père. Okay. Alors quand nous sommes allés à Kisangani après sa mort, bah, ses frères, personne ne voulait que je fasse la musique. Ah. Personne, c'était l'enfer. Okay. Personne ne voulait que je chante, et surtout pour eux, bah, c'est de la musique mondaine, c'est profane, c'est Satan. Ouais, c'était pas facile. Alors moi, j'étais obligée de sécher les cours parfois. Ou de dire que je vais à l'église pendant que je ne vais pas à l'église. Et c'est comme ça que les studios Kabako m'ont accueilli. Merci. Ouais, ils ont fait de moi leur fille, leur petite sœur, parce que j'avais le rejet total de ma famille. De la famille, voilà. Donc, ils ne voulaient pas, et ils ne voulaient pas me soutenir dans ça. Ils ne voulaient pas. Mais moi, j'étais très têtue et je puisais ma force que dans la musique. Voilà. Que dans la musique. Mes amis à l'école, ils aimaient que je chante. Mm-hmm. Et les studios Kabako m'ont accueilli. Okay. Et ils m'ont donné ma chance. J'ai jamais joué dans une salle devant beaucoup de gens. Alors, quand je l'ai fait, c'était comme si je l'avais déjà fait avant. J'avais pas de peur le track et tout. J'avais pas le trac, c'était incroyable. Wow. Et moi, j'avais fait mon choix. Et même pour eux, pour le studio, c'était... Non, Céline, tu es encore petite. Je crois que j'avais 15 ans, 14 ou 15 ans à l'époque. Et ils m'ont dit, non, Céline, attends un peu. Pourquoi tu ferais pas la danse contemporaine et tout? Essaye un peu avec ça, la musique, c'est trop compliqué. Mais moi, je disais non, je veux faire la musique et je veux vraiment le faire. Donc, je vais retourner à Kinshasa pour étudier la musique. Okay. C'est comme ça que j'ai pris mon avion et je suis rentrée à Kin. Et ici encore, l'histoire a commencé et c'était encore waouh. C'était encore beaucoup d'aventures. Wow. Beaucoup d'aventures. Beaucoup d'histoires. Mais j'y suis. Vous y êtes. Alors, elle y est. Elle, c'est bien sûr Céline Banza. Et là, maintenant, on va entrer, bien sûr, dans le vif du sujet. On a un peu parlé, bien sûr, des alentours. Ouais. Très jeune que vous êtes. Déjà à fond dans cette musique, prix découverte RFI 2019. Parlez-nous un peu de cette aventure. Ah, cette aventure. Déjà avant 2019, j'avais jamais entendu parler de ce prix. Merci. Et je travaillais dans le festival Red One. J'étais dans l'équipe de l'organisation. Mm-hmm.
Et on a reçu Ivan Bouravan, qui était le gagnant du prix RFI Découverte 2018, okay. juste avant moi. Donc il est venu, il était dans sa tournée africaine. Et il a débarqué à Kinshasa. Moi, en lisant le programme, Ivan Bouravan, gagnant du prix RFI, c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner. J'ai dit, mais c'est quoi ce prix ? J'ai écouté un peu la musique. Moi, j'ai écouté la musique de Rokia Traoré, Tikenja Fakoli, okay. tous ces autres-là, Richard Les révolutionnaires, ça, voilà, tout ça. Là. J'écoutais, mais je ne savais pas qu'ils étaient passés par là. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, ah, ok, bah, ok, ce prix, donc c'est ça. Et quand Ivan est arrivé à Kinshasa, bah je lui ai un peu dit, écoute, comment tu as fait pour gagner ce prix ? Il m'a dit, je ne sais pas, j'ai postulé, et après, bah, c'était moi le gagnant, et là, je suis dans ma tournée et tout. J'ai dit, ok. Et après, moi, j'étais programmée dans le Jazz Kiff, ouais. Kinshasa et Brazzaville. Donc, on a joué à Kinshasa, et puis nous sommes allés à Brazzaville pour ça. La directrice de l'Institut français de Brazzaville me voit jouer, et juste après, elle me dit, mais Céline, t'as déjà entendu parler du prix RFI ? J'ai dit, non. Oui, c'est une compétition à Paris, tout ça là. J'ai dit, ok, Ivan a joué. Elle dit, non, mais c'est parfait pour toi, tu dois vraiment postuler. J'ai dit, ok. Elle dit, mais sauf que, bon, comme tu n'as pas encore d'album, tu n'as pas de son enregistré, tu n'as pas de clip et tout, on ne te connaît pas. Cette année, essaie de travailler sur ça, comme ça tu vas postuler en 2020. Ok. Bon, j'ai dit, ok. nous sommes rentrés à Kinshasa avec les musiciens qui m'accompagnent. Mm-hmm. Moi, je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on aille en studio rapidement. Et qui joue magnifiquement bien. Hein. Ouais, merci. Et dédicace à vous, les gars. Coucou. Magnifique. Coucou. Jeff, Paul, Père Kundo, Elohim. Bah, écoutez. Ils sont là, ouais. Une de sauf, là. Ouais. OK. Donc, voilà. Et Jonathan, on a oublié le bassiste. Bien oh là, sûr. Jojo. Il est là. Ah, OK, il voilà. Est là. Ouais. Donc, voilà. Je leur ai dit. Écoutez, le gars, il faut qu'on enregistre rapidement. Et c'était la dernière semaine des enregistrements, donc, ouais, pour postuler. Mm-hmm. Nous sommes allés en studio, on a fait 3 jours comme ça, en studio jour et nuit. Et le dernier jour, j'ai postulé le dernier jour pour le prix. Waouh! Ouais. Et après, bah, on me dit, ouais, j'ai vu un mail, ouais, madame, vous êtes retenue et tout ça là depuis la RDC. Mais on aimerait entendre vos chansons. Est-ce que vous avez des chansons, des liens et tout, des chansons sorties? Moi, j'avais rien. Rien! Rien du tout, rien. Mais est-ce que vous avez un public ? J'ai dit, j'en sais rien. Moi, à chaque fois que je suis sur scène, bah, ce public-là me découvre et on passe un super moment, puis c'est tout. Non, mais c'est compliqué, on aimerait quand même entendre et tout ça là. Bon, c'est pas grave, vous êtes quand même retenu. Magnifique. Je dis, ok. Les on derniers seront les premiers. Voilà, voilà. Ouais, ouais, ça marche, hein. Vraiment, ça marche mm-hmm. parfois. Et on était 1300 retenus. Et après, on évoluait avec des interviews en ligne, avec des rencontres, avec tout ça là. Puis il me dit, mais Céline, on aimerait quand même entendre un peu plus. Voilà. J'ai dit, mais j'ai pas de chanson. Il dit, mais tu peux encore enregistrer et nous envoyer ces chansons. On te laisse 3 jours pour enregistrer ces chansons-là. Et nous, on a dit, ok, les soldats, les musiciens, nous sommes retournés au studio, on a enregistré quelques chansons et on a envoyé. Voilà. Ok, Céline, c'est très bien. Écoutez, bah, on vous tiendra au courant. Hein? Et là, moi, comme je dis, on va pas aller loin parce que vraiment, il fallait attendre l'année prochaine. Il fallait vraiment que j'aie le temps de me préparer. Mais non. Un jour, je reçois un plus 33, un appel et tout. Oui, Céline Banza, on vous appelle parce qu'on veut quand même évoluer avec vous, on écoute votre musique. Mais est-ce que vous ne prévoyez pas faire un clip et tout ça là bientôt ? J'ai dit, on était déjà vers la fin de l'année. Hein. Mm-hmm. J'ai dit, ouais, peut-être l'année prochaine. Moi, je ne voulais pas. C'est pas que je manquais d'occasion mm-hmm. ou je manquais d'amis ou d'opportunités pour faire des clips et tout ça. Je manquais pas. J'ai plein d'amis qui sont réalisateurs. Voilà. Mais en fait, j'attendais le bon moment. Pour moi, je voulais pas juste essayer ou dire, écoutez les amis, on va faire un truc. Je voulais pas. Je sentais pas ça. Et moi, je leur ai dit, écoutez, j'ai pas de producteur. J'avais même pas de manager. Rien du tout à l'époque. J'ai dit, je suis toute seule. Il n'y avait que Céline. Il n'y avait que Céline. Et ses amis musiciens qui l'accompagnaient. C'est tout. Donc j'ai dit, laissez-moi le temps, peut-être que l'année prochaine, j'aurai assez d'argent, j'aurai tout ce qu'il faut pour me faire un beau clip, et voilà. Mais non, Céline, le prix, il faut quand même voir, parce que nous, on envoie les gens vers les liens, les votes se passent comme ça, du coup, si tu n'as pas de clip, j'ai dit, écoutez, moi, je vous ai donné ce que j'ai, donc si j'ai voulu, tant mieux, si j'ai voulu pas, j'attendrai. Tant pis. Mais dit, ok. Et 2 semaines passent, je reçois un mail, on me dit, je suis parmi les demi-finalistes. Je suis parmi les 50... Sur les 1300 qui avaient postulé. Voilà, on me dit que, ouais, Céline, tu es parmi les... Voilà, il ne reste qu'une étape et tout. Et là, je dis aux musiciens, j'ai dit, là, on n'a pas de chance et tout. C'est fini pour nous, comme, parce que là, ils nous ont quand même poussé un peu loin. Ouais. Mais là,
Et il y avait Jeff qui n'arrêtait pas, qui me disait, écoute Céline, moi je crois en ça, je crois en ça, on aura ce prix. Je disais, mais tu rêves, t'es malade ou quoi? Jeff, la foi qui déplace les montagnes. Bien sûr, hein, Jeff avec sa guitare là, il me dit, Céline, il faut qu'on continue, on va avoir ce prix, on ira en finale. Et puis, comme une surprise, un jour je vois les membres du jury, RFI a annoncé officiellement les 10 finalistes et j'étais la seule Congolaise et Céline était parmi ces 10 finalistes. Magnifique. Et ça c'était incroyable pour moi, j'avais des larmes aux yeux, j'ai dit mais comment c'est possible? Franchement. Donc il fallait voter et c'est comme ça que les gens ont un peu découvert Céline parce que c'est quand même une compétition qui est sous les projecteurs. Hein. Ok, d'accord. Donc comme ça Céline Banza, qui est Céline Banza et tout. Et moi, je n'ai même pas osé aller voir les autres candidats finalistes parce qu'ils étaient déjà des stars. Ils avaient des millions de vues. Oh non, Ah oui. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi, je fous là, quoi? Je suis toute petite. On ne va pas gagner ce prix. On ne va pas l'avoir. Et surtout que la RDC n'a jamais eu ce prix. Depuis plus de 25 ans que ça existe. La RDC, donc, 25 ans après, depuis 25 ans que ça existe, la première candidate de la RDC qui gagne, c'est Céline Banza. Ouais. Ça mérite des applaudissements, franchement. Franchement.
Alors, étoile filante de la musique congolaise, ça mérite vraiment son pèson d'or et aussi cette appellation. Pourquoi ? Parce que pour ce prix découverte RFI qui dure depuis 25 ans et la première fois que la RDC gagne, c'est avec Céline Banza. Ouais, on continue mais, la suite. Oui, mais c'est nous tous. Moi, ce prix, vraiment, c'est, je dirais que c'est nous tous parce que je venais de nulle part. Et quand il fallait voter, bah, les gens se sont motivés. Les Congolais les ont, sont, les, sont motivés. Les gens, ils ont fait du bruit et c'était « Mais c'est qui Céline ?» Et j'avais que l'audio de ma chanson. Les autres avaient des clips. Mais moi, pour le lien, j'avais que l'audio. Donc les gens, ils ne pouvaient même pas me voir. Donc pour dire qu'il faut y croire. Voilà. Il faut y croire, il faut penser à Jeff. Hein. Il faut penser à Jeff, qui n'arrêtait pas voilà, okay. de pousser. Et donc à la dernière semaine des votes, je crois, à deux jours de la finale, on sort enfin le clip de Terre MB. Uh-huh. Une chanson avec guitare qu'on a composée avec Jeff. On avait trop faim, je me rappelle. On avait trop faim. Magnifique. Et Jeff, il n'arrivait même pas. Je lui ai dit, écoute, c'est moi, j'ai envie de manger, pardon. On est allé chercher des brochettes à bandales, là. Mm-hmm. Et moi, je n'arrivais pas à trouver la bonne guitare et tout. Je n'arrivais pas. Et Jeff est venu. Finalement, on a sorti cette chanson. Et comme ça, le jour de l'annonce et tout, RFI se réunit. Et quand j'ai vu Fally, là, moi, je m'étais dit, peut-être qu'ils nous font un jeu. Ils ont mis Fally juste pour nous dire, ce sera un Congolais, mais ce ne sera pas un Congolais, quoi. Ouais. Claudiciard et tous les autres. En tout cas, moi, j'y croyais pas du tout. Même quand les gens autour de moi me disaient, écoute, Céline, c'est toi. Moi, c'était... Non, c'est pas moi. C'est pas moi et ce ne sera jamais moi. Et voilà. Et après, on dit 1, 2, 3, Céline Banza, lauréate. Et voilà. On applaudit bien fort. On applaudit bien fort parce que ce sont des moments intenses qu'on n'oubliera jamais, qui restera gravé dans nos mémoires parce que ce n'est pas seulement vous, mais c'est toute la RDC qui a gagné. Toute la RDC. Et vraiment, ce prix, c'est à nous tous. D'accord. Alors, cela nous permet bien sûr de revenir maintenant à vous. À vous, Céline Banza. Pourquoi ? Parce que là... Pendant que vous êtes en train de suivre cette émission, vous êtes en train de suivre aussi certaines prestations ici dans One Acoustic, en primeur et spécialement pour vous qui aimez bien sûr cette émission et particulièrement cette lauréate et cet artiste affermi, complet et toute faite, bien faite aussi, qui a gagné ce prix. Alors Céline, on remarque dans vos titres, sur les disques que vous nous avez joués sur notre plateau de One Acoustic, plusieurs titres ont une particularité. C'est joué en Ngbandi et les titres sont en Ngbandi. Ce sont vos origines ? Oui, ouais. Et ouais, je suis du Nord Ubangi, de l'ex-Équateur. Ouais, j'ai une grande famille là-bas. Mes parents, ils ont. Et pourquoi ce dialecte ? Pourquoi vous avez choisi ce dialecte pour chanter, pour exprimer votre art musical ? Mm-hmm. L'influence est aussi mes études. Ah, hein. J'ai terminé en ethnomusicologie à l'INA. Ok. Et c'est une science qui étudie la musique en elle-même, en général, mais aussi dans son contexte socio-culturel. C'est-à-dire, on étudie plusieurs musiques,
la musique, qui joue la musique, bah, c'est la personne, c'est un humain. D'où vient-il? Pourquoi cette musique? Pourquoi cet instrument? Pourquoi? Donc voilà, c'est tout ça autour. On étudie tout ça. Et d'abord, on commence par nos musiques, nos traditions, nos coutumes, nos langues et tout. La RDC a plus de 450 dialectes. Voilà. Donc ça ne devrait pas nous étonner si on chante dans une de ces langues. Effectivement. Moi, en allant à l'INA, quand j'écoutais le grand cœur chanter, ils chantaient en Luba, en Tetela, en Congo. Et moi, j'étais, je dis, mais waouh, c'est beau, c'est beau. C'est quoi cette langue? Ils me disaient, bah, c'était des travaux des élèves qui terminaient leur année. Donc, ils devaient travailler sur des musiques de leur peuple, contrées, de différents peuples. Peu importe, si tu veux étudier la musique égyptienne, la musique américaine, peu importe ce que tu veux étudier. Mais on essaie de mettre en valeur d'abord nos cultures à nous. Okay. Parce que le but aussi de cette science, c'est de les conserver, de les garder, parce qu'aujourd'hui, bah, tout ça est en train de disparaître. Ça, c'est pas faux. Voilà, donc il faut bien les codifier, il faut bien les garder pour que ça ne disparaisse pas. Okay. Donc, et moi, j'étais vraiment fascinée à écouter notre culture en musique. En musique. La RDC est russe, est riche, très riche en culture et tout ça là. Et moi, ça m'avait beaucoup façonné. J'ai dit, mais moi, je suis Ngwandi. Et ça m'a rappelé ma grand-mère qui nous chantait des chansons Ngwandi, des berceuses. Ouais. Et moi, j'ai dit, mais waouh. Ça m'a rappelé tout ça. Est-ce que dans ces différents titres, vous avez puisé des berceuses de votre grand-mère aussi? Bien sûr, bien sûr. Il y a même une chanson Mbigwe qui est toutes les paroles de ma grand-mère. C'est ce que j'ai repris dans la chanson. Oui, bien magnifique. Sûr. Magnifique. Donc un bel hommage. Merci. Ouais, bien sûr. J'ai proposé à la section, j'ai dit, écoutez, moi, je vais travailler sur la musique de divertissement d'Ngwandi. Et personne n'avait jamais travaillé sur la musique d'Ngwandi à l'INA. Je suis aussi la première. Oh là là ! Ouais. Allez, okay. Allez, 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 ça mérite des applaudissements. Et tes messages, que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as plus de vie. Qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même? Elle a toujours présent. Mon cœur coule de sang. Dans mes rêves, je te vois. Chanson,
ma musique et moi-même. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même. Oh, oh, oh. Même les liens à Wayoke, au Tikinam, c'est n'a ma bande de n'a, yos à la toujours présent. J'ai 8 ans, enfant de la rue. J'ai pourtant une famille qui ne m'a jamais déçu. Je trouve sur le pavé de nouveaux pères, de nouvelles mères, des sœurs, des frères, mes points de repère. 15 heures par jour, chauffeur de taxi, de bien avant le jour jusqu'à bien après la nuit. Le labeur paye quelque soir, il me sourit alors heureux de me voir. Mon père est comme ma mère, laborieuse, elle me laisse solitaire. Elle est bonne dans des bureaux, vide des corbeilles, passe des seaux d'eau. On ne parle pas des embouteillages, elle n'a pas vu mon plus jeune âge. Ma mère est comme mon père, laborieuse, elle me laisse solitaire. J'ai 8 ans, enfant de la rue. J'ai pourtant une famille qui ne m'a jamais déçue. Je trouve sur le pavé de nouveaux pères, de nouvelles mères, des sœurs, des frères, mes points de repère. 14 heures, je rentre de l'école, sans parents, sans icônes, sans idoles. Comme les grandes, je veux courir le pavé. Dans l'heure, je cours, je trouve des alliés. Mes frères sont comme mes sœurs. Ils se montrent partageurs, eux sont serveurs, clients ou mototaxi, du Kassai ou bien des Itouri. Mot frein, mot, un sourire, un sucré, pas un travailleur de la rue sans se présenter.
Mes sœurs sont comme mes frères, attentives, elles se montrent solidaires. J'ai 8 ans, enfant de la rue, j'ai pourtant une famille qui ne m'a jamais déçue. Je trouve sur le pavé de nouveaux pères, de nouvelles mères, des sœurs, des frères, mes points de repère. Entre deux voitures dans lesquelles elles montent, entre deux factures que l'échangeur compte, un jour comme un autre, au bar juste là, j'ai accepté d'aller dans un drôle d'endroit. Mes sœurs sont comme mes frères, occupées, elles me laissent trop faire. Je le connais pourtant, ce gentil papa, chaque soir il m'offrait un soda. Ne pas suivre les inconnus, c'était le conseil des filles de la rue. Quand il commence à se déshabiller, je veux fuir, mais la porte est fermée. C'est vrai, on entend les sons mongo, on entend les folklores t'étais là, on entend les Luba, les Congo, mais les Ngbandi, c'est franchement, vous êtes la première. Ouais, pendant, bah, ils existent, hein, des musiciens qui chantent traditionnels, qui chantent, sauf qu'ils sont pas sous les projecteurs, sous les phares, parce que c'est aussi ça le problème. La tradition, vraiment l'originalité, c'est très bien, mais aujourd'hui avec l'évolution de la science, de tout. Hein, c'est important de mélanger, effectivement. D'apporter un plus, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça aussi le problème. Donc il faut prendre la culture, prendre le village, ramener avec le moderne. Le moderne, effectivement. Voilà. Donc, on y arrivera, on y arrivera. Je suis encore dans cet aspect Ngbandi. Voilà. Alors, généralement, né, grandi à Kinshasa, à un petit tour à Kisangani, revenu à Kinshasa pour essayer de continuer. Généralement, les Kinois, les enfants Kinois, ont du mal à appréhender les langues vernaculaires, les langues maternelles et tout. Mais est-ce que vous avez appris à parler déjà le Ngbandi dès le bas âge pour avoir la facilité, de la fluidité en chantant? Ok. Bah, quand on était petit, mon père, il faisait toujours un effort. Moi, j'avais déjà compté de 1 jusqu'à 100, j'avais 5 ans. J'avais déjà compté, j'avais dit bonjour, viens, tout ça là, je savais. Mais après, mon père est décédé, mes grands-parents sont décédés et tout l'entourage, il ne parlait pas ça. Mmh. Surtout quand nous sommes allés à Kisangani, les cousines et tout. C'était ça. Le Swahili, là. C'était le Swahili. Et le Lingala. Donc, on ne parlait pas ça du tout. Okay. Donc, j'avais perdu vraiment tout ce que j'avais dans ma tête. Mais quand je suis revenue avec Kinshasa, avec Lina, j'ai dit, il faut que je parle ma langue, c'est très important. Et puis, moi, j'ai l'habitude d'écouter aussi beaucoup d'artistes, d'ailleurs, beaucoup d'artistes africains, qui chantent dans des langues que je ne comprends pas. Merci. J'ai pas besoin de comprendre la langue, en fait. La magie de l'art, je pense que c'est ça aussi. Voilà. De voir une œuvre ou d'écouter une œuvre et que ça t'emporte. Moi, je pense que le travail d'un artiste, c'est de transmettre les émotions. Effectivement. D'abord, avant les explications. Ouais. Je vois un tableau de peinture, c'est en abstrait. Rien n'est représenté, mais je suis quand même... Vous dites que c'est beau. J'achète ce tableau et je mets dans la maison. Donc, voilà. Alors, pour revenir toujours à cela, par rapport au fait que vous écoutez différents styles de musique et vous êtes l'une des voix féminines avec une particularité, c'est que vous ne chantez pas. Vous n'êtes pas une chanteuse à voix, mais vous êtes une chanteuse en écoutant bien sûr vos chansons. Alors, est-ce que vous avez une influence provenant peut-être de, pour parler de la musique actuelle, Charlotte Dipanda? Dont la langue est aussi un peu apparentée aussi au Ngbandi. Charlotte, je l'adore. Ouais, je l'ai beaucoup écoutée, je l'aime beaucoup. J'ai passé un peu de temps avec elle, je l'adore. Ok, d'accord. Ouais. Donc il y a aussi une petite influence de Charlotte. Bien sûr, il y a Charlotte Dipanda. Il y a Bella Bello aussi, des Suprêmes. Voilà, il y a Ismaëlo, il y a Richard Bonin, il y a Gérard Toto, il y a Loco Kanza. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Voilà. D'accord. Maintenant, éclaircissez-nous un peu par rapport aux définitions de ce que veut dire un peu ces titres. Nous avons le premier titre comme Songotehe. Songotehe, ça veut dire notre amour. Notre amour. Et Mbindoyemo. Mbindoyemo veut dire je t'aime. Mbindoyemo, je t'aime. Ouais. Mbigwe. Je pars. Je pars. Et Mbiemosi Baba. À jamais je t'aimerai, papa.
À jamais je t'aimerai, papa. Mbilo. Je suis là. Je suis là. Ah, donc si je dis Mbilo, donc, je suis là. Mbilo. Nazao. Mbilo. Mbilo, ok. Et Terembi. Terembi veut dire mon corps. Ndoto Nangai. En lingala, Terembi Yongbandi. Très bien. Voilà. Le dernier titre qui vient nous faire bouger dans cette émission, c'est bien sûr Les Gigi Nogbi. Ouais. J'ai bien. Ouais. Les Gigi Nogbi, ça veut dire. Le monde se perd. Le monde se perd. Magnifique. Alors. Merci. On a appris à parler Ngbandi en 10 secondes. Hein? Voilà. Alors, voilà. Alors, on continue. On a parlé du prix découvert RFI. Là, maintenant, après avoir été découvert. Vous signez avec le label Bomae Music. Une petite historique sur cette signature. C'est vous qui êtes allé vers Bomae Music ou Bomae Music est venu vous découvrir? Ah, ça, c'était une rencontre totalement imprévue, pas calculée du tout. Hein, ouais. Donc, c'était lors, c'était pendant la période des votes et tout, de la mobilisation, tout ça là. Et j'étais programmée au forum que Bomae organise, African Music Forum. Ok. Voilà, c'était la deuxième édition. Et j'étais programmée là-dessus, je devais faire la première de Youssoufa. Ah. Voilà. Et donc, mais avant, avec les partenaires et tout, ils avaient organisé une petite soirée en privé, hein, à la Rawbank, au siège de la Rawbank. Et je devais chanter. Merci pour la pub. Voilà. Bon, on continue. Okay. Et je devais chanter juste avec ma guitare quelques chansons. Et donc là, je monte sur scène avec ma guitare et tout. Puis je vois Philo, hein, mon producteur, que salue, qui monte sur le podium et tout. Il prend le micro, tout motivé là, il dit, mais elle était où cette artiste, hein? Pourquoi je ne la connais pas? Mais Céline, franchement, j'adore ce que tu fais. Et moi, je te veux dans mon label. Je te veux, quoi, Céline. Et là, moi, j'étais en bas, je disais, OK. OK. Je pensais que c'était la chaleur de la fan, ouais, la chaleur de la soirée, voilà. Tout ça, là, et que ça va passer. Et donc voilà. Et après, à côté, il y avait d'autres maisons de production qui étaient aussi arrivées à Kinshasa. Ah, ok. Donc, il n'y avait pas que Bomae Music. Non, il n'y avait pas que Bomae. Et puis, il y a Christian Lepira, lui, qui essayait de me vendre ailleurs. Il est juste là, derrière les caméras. Ouais, toujours Christian. À côté, Christian. Et ouais. Donc, il essayait de me vendre dans un autre label à côté. Ouais, bien sûr. Et après, Philo vient vers lui pour dire, mais écoute, qu'est-ce que tu fais là? Non, faut arrêter là-bas. Moi, je la veux dans Bomae, écoute. Et ils se sont dit, OK. Et puis le lendemain, Philo, il m'écrit, coucou Céline, c'est Philo. Tu es où? Il faut qu'on se voit. Écoute, je suis sérieux là-dessus. Je veux vraiment. Moi, j'avais peur. Moi, je voulais pas sauter tout de suite dans Bomae. Pas du tout. OK. Et donc, moi, je lui dis, écoute, Philo, on va aller un peu doucement. Hein. Moi, je veux qu'on parle. Hein. Je veux qu'on parle parce que je suis en train de voir NASA, K-Black, Gaz, et Céline. Je disais, mais attendez, il y a quand même, Bomae, quoi. C'est pas Céline, c'est pas ma musique c'est du tout. C'est quand même Bomae. Voilà, c'est quand même Bomae, ouais, mais c'est pas Céline. C'est pas Céline. C'est pas du tout Céline. Je ne me voyais pas là-bas. OK. Et il m'appelle, il me dit, écoute Céline, moi je te veux vraiment. Et Philo, il était vraiment naturel. C'était avant le prix qu'il m'a contacté. Ah, ok. Avant, c'était pas pendant. Ah, donc pour dire que c'était vraiment sincère. C'était pas par rapport au fait que j'étais sous les feux des rampes. Voilà. Ah, ok, moi je pensais que c'est parce qu'elle était révélation, découverte, prix RFI. Pas du tout. Ah, ok. Il me disait, Céline, c'est pas pour le prix que tu gagnes ce prix ou pas, je m'en fous. J'ai aimé ce que j'ai vu et le but, c'est ça. Moi, je suis rentrée au Congo, à Kinshasa, pour investir, moi, croire aux artistes congolais. Moi, je vais avancer avec vous et c'est ça même, je vais oser. Donc voilà, Céline, ta musique, elle est différente, tu chantes en langue et tout ça là, mais j'ai senti le truc et je veux qu'on ose avec toi. Si tu peux me faire confiance et tout ça là. Et c'était parti. Ça, c'est une belle dédicace à vous, Bomae Music, ouais, hein, pour dire que non, vous êtes vraiment dans le vrai. Ok, d'accord. Alors, Céline, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin, bien sûr, de ce magnifique programme pour lequel vous nous faites bien sûr ce grand plaisir et cet honneur de pouvoir vous recevoir. Merci. Non. C'est à nous de vous remercier, Céline, parce que, écoutez, là, nous allons parler maintenant, bien sûr, d'abord, avant de... L'avant-dernier point, c'est d'abord le style musical. C'est de l'afro, ça, certes c'est de l'afro, mais une influence soit soul, soit jazz,
Il y a une seule rumba que j'ai écoutée sur les 10 sons que vous avez proposés, et puis un peu de la musique gitane. Si je puis ainsi m'exprimer, je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Allez-y, parlez-nous un peu de votre style, de l'influence que vous, qui vous anime dans votre musique. Ouais. Moi, je dirais que je n'ai pas de style. Hein. Je n'ai pas un style propre à moi. Je n'ai pas un genre propre à moi. Déjà, je ne suis pas trop fan. Voilà. Moi, j'aime juste de la bonne musique. Ah, quand il y a une belle mélodie, quand la chanson me parle, bah voilà, si elle peut m'influencer, bah j'y vais. Moi, j'écoute la musique française, j'écoute le Mbéambéa, j'écoute tout, quoi. Il suffit qu'elle soit bonne et qu'elle me touche. J'aime bien quand vous le dites, le Mbéambéa. Est-il connu plus des Quinois que du reste du monde. Voilà. Donc, il suffit qu'elle me parle. Donc, je n'ai pas une seule influence, je n'ai pas un seul style musical où je m'accroche, j'en ai pas. Magnifique. Donc, je n'ai pas une définition pour mon album ou pour les chansons. Je ne sais pas. J'écoute une guitare, j'écoute un rythme et tout. Je dis, ouais, je veux. Donc, je ne calcule même pas. OK. Voilà. Demain, je peux faire... j'en sais rien. Je peux me retrouver dans... J'en sais rien. Alors, qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir Céline Banzaï, qui le découvrent à travers, bien sûr, ce One Acoustic, avec les 10 sons que vous avez présentés. Bon, 9, parce que le 10e, on garde le meilleur pour la fin. N'est-ce pas, Sylvie? Ouais, le meilleur pour la fin. Ouais. Alors... Qu'est-ce que vous direz à tous ces fans? Pour cet album, je dirais que ça a été... c'est ma petite histoire. Hein. Tout cet album, c'est ma petite histoire, c'est ma petite vie que je vous donne comme ça et à travers les chansons. Donc, écoutez l'album, achetez l'album, faites-nous des retours et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir et de passer un super moment avec vous en concert pour... Est-ce que c'est déjà sur les plateformes? Oui, c'est déjà alors, sur les plateformes. Alors, quelles plateformes? Toutes les plateformes de téléchargement, vous trouverez Pae Fatio, mon premier album. Voilà. Alors, Céline Banzaï, pour nous, pour moi particulièrement, c'est une fierté. Pour moi, c'est un honneur. Pour moi, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de One Acoustic, Céline Banzaï. Je vais vous avouer un truc. C'est vraiment un honneur pour moi. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est depuis longtemps que je te suis. Hein. Tu n'as pas commencé aujourd'hui avec les émissions. Ça c'est vrai. Merci. C'est depuis très longtemps et tu danses bien. Je suis ému. L'ambiance que tu donnes et tout ça là, moi, j'aime beaucoup. Et franchement, moi, c'est un honneur pour moi aussi d'avoir passé ce moment avec toi et avec tout le monde, avec toute l'équipe technique. Je veux qu'on applaudisse bien fort merci, pour ces magnifiques mots de réconfort. Et pour te dire aussi, tout me veut de bonheur, merci, de prospérité, de longévité. Merci. Et plein succès à cette grande carrière qui ne fait que commencer. Merci beaucoup. Quant à vous, amis téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir été avec nous dans ce premier numéro de One Acoustic de cette année 2021. On se retrouve au prochain en vous souhaitant encore une bonne année avec tous nos voeux de bonheur, de longévité, de prospérité et surtout de fécondité pour cette année 2021. Bonne année.
Tell me not to my lonely, like you know me. Minute I hesitate, then I'm better.